roll it up, we gon' burn it down. Passer pro dans un centre de formation, c'est pas facile. Souvent de l'extérieur, on pense qu'on rentre dans un centre de formation, on devient pro directement, mais c'est pas ça. Moi, dans ma promotion, sur 40, on était 3 à signer pro. Il y avait moi, il y avait Anthony Le Talec qui joue encore en Ligue 2, et Florence Inama Pangol. Voilà, on était 3 à signer pro. Donc les années en Ligue 1, c'était des belles années. On a vécu de bons moments, la montée aussi de Ligue 2 à Ligue 1 avec Le Havre, c'était pas mal aussi. Donc la Coupe de France, finale de Coupe de France, c'était bien, de belles émotions. Donc non, c'est de très bons souvenirs. Pour la Play Jams, je sais pas, c'est un raccourci, c'est plus facile que Jamel sur le terrain, si tu dois coacher. Jamel, Jams, ça va plus vite, hein, c'est plus rapide. Et en plus, il est d'accord pour qu'on l'appelle comme ça. Tant que c'est dans le monde intérieur du football, quand on est en dehors, on respecte les noms. Quoi. En dehors du foot, c'est quelqu'un de très calme, tranquille, réservé, familial. J'ai eu l'occasion de venir avec Zaki et malheureusement, Zaki s'est fait limoger assez rapidement. Donc après, il y a eu un renouvellement un petit peu. C'est tombé dans une période où je jouais pas trop avec le Wydad, etc. Donc non, pas de regret, ça s'est passé comme ça s'est passé. Puis alhamdoulilah, l'équipe nationale maintenant elle marche bien et je leur souhaite beaucoup de succès. Il faut savoir que quand je pars d'Auxerre, je pars pas, j'ai l'occasion de rester à Auxerre en fait. Auxerre qui me propose un projet de reconversion, etc., sur du long terme, voilà, un autre projet qu'on propose dans le golf et le projet du Wydad qui arrive. Donc en fait j'ai 3 projets et j'ai fait le choix du Wydad. Et si tu reprends l'interview que je fais en signant, je dis que je viens au Wydad pour gagner des titres, sinon je ne serais, en toute honnêteté, je ne serais pas venu jouer au Maroc si ce n'était le Wydad qui m'avait sollicité. Le fait d'avoir les diplômes, c'est une continuité pour moi. Être coach, je ne peux pas te l'affirmer à 100%. Rester dans le domaine de la formation, du coaching, oui, c'est ce que j'aimerais parce que j'ai beaucoup appris de mes passages en Europe. J'ai beaucoup appris depuis que je suis ici au Wydad. J'ai découvert le football marocain, ses bons côtés, ses mauvais côtés, les manques qu'il y a au niveau de la formation. Qui se retrouvent après au niveau professionnel, les manques au niveau du management, il y a beaucoup de choses. Après, je suis en relation aussi étroite souvent avec Nasser Larguette qui est DTN, donc lui ça a été mon formateur au Havre. Donc aussi on échange et puis et de là j'en tire des conclusions et ça me permet de me projeter dans l'avenir. Jamel Aït Benedir, c'est de très très beaux souvenirs parce que c'était la période où je suis passé par le Havre. Et le Havre, j'avais vraiment une promotion exceptionnelle. Il y avait Steve Mandanda, il y avait Kamini, il y avait Jamel, il y avait Lassana Diarra. Il y avait vraiment un potentiel énorme et vraiment un grand plaisir. Un joueur qui était pétri de qualité technique, qui avait un volume de jeu extraordinaire et qui a joué très jeune avec moi, avec la réserve professionnelle. Et la carrière qu'il a faite, il la mérite vraiment parce que c'est un garçon, une denrée rare dans le football. C'est quelqu'un de très équilibré, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et quelqu'un qui se plie à la collectivité. Jamel Bidder, أي واحد تيبغي يلعب بالجنب ديالو لأنه تعرف حتى هو كيفاش يخرج كما قلت لك الكره نقيه صراحه تيدخل الميدان الا وتعطي هو المردود الكبير اللي معهود عليه صراحه يعني مر هذه الايام يعني السنه هذه شويه بالاصابات اللي خلاته انه ما يلعبش كثير المقابلات ولكن هذا الشيء ما يمنعش انه تعطي الدعم الكبير للاعبين. La grande différence qui saute aux yeux quand on a passé longtemps en Europe, c'est dans le domaine tout ce qui est tactique, etc. Tu vois, dans la discipline tactique. C'est dans ce domaine-là qu'il y a une marge de progression au Maroc. Dans les domaines tactiques, techniques et physiques, le joueur marocain, il a des qualités propres
Donc ça, tu peux les développer, les façonner. Mais après, dans le domaine tactique, c'est de l'apprentissage. Ce match qui était décisif, parce que si on ne gagnait pas, on était éliminé. Pratiquement. C'était un match important, on avait perdu. C'était un bon match. Le stade était plein. Et puis, on avait à cœur. Il y a toujours cette rivalité Maroc-Égypte qui est importante. Donc non, c'était on va dire, avec le Wydad. La finale de Coupe de France, parce que c'était une belle fête, et puis on fait un match parfait, et le haut niveau, ça joue sur des détails. On fait une erreur, on prend un but. Et voilà, mais c'était une belle ambiance, on avait vraiment, vraiment un bon groupe. Je me lève à Chejar, ensuite je m'endors pas parce que emmener les enfants à l'école. Donc, les enfants, je les réveille à 6h30. Voilà. Je les emmène à l'école. Je reviens, je déjeune avec ma femme. Je vais à l'entraînement. Quand on a entraînement le matin, je vais à l'entraînement. En revenant de l'entraînement, je déjeune soit avec ma femme ou avec un ou deux amis. Et puis après, l'après-midi, si on n'a pas une séance double. Soit je vais à la salle, soit je me repose. Voilà, le fin d'après-midi, je vais chercher les enfants à l'école. C'est les enfants qui rythment un peu tout. Je vais chercher les enfants à l'école. Si j'ai l'occasion, je vais prier à la mosquée. Et puis après le soir, voilà. Généralement, après l'Aïcha, je rentre à la maison. Je suis casanier un peu. Je rentre à la maison, je reste avec les enfants. Si je sors après l'Aïcha, c'est que j'ai un rendez-vous ou qu'on m'a invité ou voilà, mais je vais pas, j'ai le temps que j'ai en fait, j'essaie de le consacrer aux enfants parce qu'on voyage beaucoup avec l'équipe, donc c'est ça mes journées généralement, c'est simple hein. Voilà, mais Inch'Allah, c'est finir au Wydad, ce serait bien, déjà c'est un grand club, puis ce serait un honneur de finir ici au Wydad.